en pas dans pas. Nice to go. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de prendre le temps. Je me présente, Isabelle Sonécal. Si vous avez visité le site web de l'École secondaire d'Orval, si vous avez pris le temps de regarder toutes les vidéos, vous m'avez déjà vu beaucoup. Vous me connaissez déjà un peu. Alors, je travaille à l'innovation pédagogique au Collège Sainte-Anne pour nos trois ordres depuis plusieurs années. Et j'ai aussi travaillé dans les dernières années sur le projet de l'école secondaire de Dorval. Je vais aussi prendre la relève à la direction de l'école secondaire de Dorval, avec bien entendu un grand enthousiasme. Alors, on va être ensemble pour une durée d'une heure. La présentation devrait durer autour d'une heure. Et par la suite, il y aura une période de questions à laquelle vous pourrez assister. Vous pourrez poser les questions dans l'espace clavardage. On vous l'indiquera là, à ce moment-là. La présentation s'adresse aux parents davantage. Par contre, les enfants, vous êtes absolument les bienvenus et vous allez en apprendre beaucoup sur le projet de la nouvelle école. Alors, on peut y aller avec la présentation. Je vous avoue que ce soir, je suis fébrile et je ne suis pas la seule. Je suis fébrile parce que le projet que je vais vous présenter, c'est un projet de rêve, réellement. C'est un rêve professionnel et c'est un rêve de parents aussi. Et on y réfléchit depuis déjà plusieurs années. On y a mis tout notre cœur, bien entendu, en pensant à nos élèves, à nos futurs élèves, en pensant aussi à nos enfants. Parce que notre souhait, il est grand, c'est celui de transformer l'école, de transformer l'éducation au Québec et ailleurs. Donc, je dis « on » depuis tout à l'heure parce qu'on est quand même une grande équipe à avoir travaillé là-dessus et plusieurs sont présents ce soir. Et on est tous fébriles parce qu'on a tellement hâte d'arriver à la ligne d'arrivée et d'accueillir nos premiers élèves. Aussi, on se considère extrêmement chanceux, privilégié d'avoir la chance de travailler à la création d'une nouvelle école. C'est un projet porteur, c'est un projet transformateur. Mais vous aussi, comme parents, vous êtes extrêmement privilégié parce que vous allez avoir la priorité, vous allez avoir la priorité d'inscrire vos enfants dans cette école-là, une école qui, bon, on le croit, qui sera probablement une des plus belles au monde, mais aussi qui va élever les standards en éducation. Et ça, notre société en a grandement besoin. On le mérite. Nos enfants le méritent. Donc, c'est sûr que j'aurais préféré de loin vous rencontrer en personne, vous voir, rencontrer vos regards, voir vos réactions. C'est pas possible, mais si vous me le permettez, je vais m'adresser à vous comme si j'étais assise avec vous dans votre salon ou à votre table de cuisine. On se prend un café ou une tisane si on veut bien dormir ce soir. D'ailleurs, Hugo Kavenaghi est avec nous. Il assiste à la présentation. Il va sûrement m'envoyer des commentaires pendant la présentation. Et c'est un projet qui nous tient très à cœur. Alors, on est très heureux de vous le présenter. J'espère que vous êtes prêts. Moi, je le suis. Alors, allons-y. Avant de vous parler du rêve, du projet comme tel, je pense que c'est important de vous faire la genèse de ce rêve-là, de créer, d'ouvrir une nouvelle école secondaire. L'histoire commence en 2015. À ce moment-là, on me demande de rédiger un article sur les grands changements dans notre société et les défis de l'école face à ces grands changements-là. Donc là, moi, je fais une recherche sur ces changements-là que vous connaissez très bien, vous les vivez dans votre vie, dans vos milieux professionnels. On a vu, là, dans les dernières années, un essor technologique qui a transformé beaucoup de choses, nos façons de communiquer, les tâches.
on voit apparaître des nouveaux métiers qui demandent des talents, qui demandent une divergence, une spécialisation bien particulière. On voit aussi tout l'impact de la mondialisation et on a vu aussi dans le discours, dans la documentation, l'émergence de l'importance des compétences fondamentales, la créativité, la collaboration, la communication, etc. Donc, de grandes transformations dans la société, une nouvelle posture et un changement assez rapide. Et pendant ce temps-là, dans les écoles, ben, les changements sont plus lents. Et je me souviens, dans cet article-là, j'avais émis l'hypothèse d'un homme qu'on aurait congelé en 1900, 1910 et qu'on aurait décongelé en 2015. Il se serait probablement réveillé en état de choc de voir tous les changements dans la société, dans le mode de vie, etc. Mais si on l'amenait dans une école, alors il retrouverait bien ses repères. Les repères d'un autre siècle et ce sont le one size fits all, tout le monde fait la même chose en même temps. L'apprentissage en silo, hein, par matière, et aussi encore une transmission de savoir, alors que les savoirs sont très accessibles. Ce qu'on veut davantage, c'est des savoir-faire, des compétences et des savoir-être. Parallèlement, pendant ce temps-là, une enseignante vient me voir. Et elle me dit, Isabelle, ça fait 25 ans que j'enseigne. Donc, une enseignante d'expérience. Ça fait 25 ans que j'enseigne de la même façon et ça fonctionne. Mais depuis 2-3 ans, ça ne marche plus. Les élèves répondent moins, les élèves sont moins engagés, je les sens moins intéressés. Aide-moi, dis-moi comment faire pour transformer ma pédagogie, transformer mon enseignement pour aller chercher cette génération-là qui déjà a des besoins qui sont différents. Alors, c'est là qu'on constate réellement une fracture. Et c'est là qu'à Sainte-Anne, le désir profond de transformation débute. Et on commence un travail de transformation, oui, au niveau des pratiques. Et d'ailleurs, l'école primaire à laquelle vos enfants sont inscrits, que vos enfants fréquentent, s'inscrit dans ce courant-là, dans ce souhait-là d'actualiser l'école, d'offrir quelque chose qui corresponde davantage aux besoins des jeunes, aux besoins des élèves. Par contre, une transformation, c'est très bien. Mais des fois, quand les changements sont grands, ça ne va pas aussi vite qu'on le voudrait. Et là, l'étincelle, le souhait, le rêve fou de créer une nouvelle école et de se dire, et si on en créait une d'une page blanche, mais en gardant ce qui fonctionne et en transformant vraiment ce qui ne fonctionne pas. Et dans notre rêve, et ça c'est clair depuis le début, ces choses-là qui sont à transformer sont les suivantes. La première chose qu'on souhaite transformer ou qu'on souhaite apporter davantage à l'école, c'est le plaisir d'apprendre. En ce moment, les écoles s'évertuent à trouver des façons de donner le goût aux élèves de venir à l'école, de s'engager. On le fait à travers des programmes particuliers, des offres de parascolaires. Alors que ce qu'on souhaite vraiment, nous, c'est que l'école, ça soit le fun. Même en maths, en français, en sciences, pendant les cours, que ce soit le fun, de l'arrivée au départ. Et quand je parle de fun, je parle de plaisir d'apprendre. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, mais apprendre devrait être plaisant. D'ailleurs, quand on apprend un instrument de musique, quand on pratique un sport, on a du plaisir à apprendre, même si on rencontre des difficultés. Alors, comment est-ce qu'on peut augmenter le plaisir d'apprendre à l'école? Ensuite, il y a la complexité. Comment développer davantage la complexité? C'est quoi la complexité? Ben, c'est la capacité à résoudre des problèmes qui sont complexes, de faire preuve de créativité. C'est de lire et de comprendre des textes qui sont complexes pour porter un jugement. C'est de faire preuve de pensée critique, etc. C'est ça qu'on souhaite développer dans le monde d'aujourd'hui. C'est de donner plus de sens à l'apprentissage, sortir des cahiers d'exercices, offrir du contexte, permettre à l'élève de comprendre
pourquoi il apprend ce qu'il apprend. Vous l'avez certainement entendu chez vous. Pourquoi est-ce qu'on apprend ça? Pourquoi? L'élève doit comprendre pourquoi il apprend ce qu'il apprend. Et finalement, on souhaite offrir un modèle d'école qui va réellement développer la connaissance en soi et la confiance de l'élève. Parce que quand on se connaît et qu'on se fait confiance, on peut réaliser à peu près n'importe quoi. Mais encore faut-il les connaître, nos forces. Cole Caulfield, vous le connaissez sûrement, la nouvelle fureur, ben c'est pas avec son physique qu'on capitalise son succès, c'est avec son tir incroyable. Donc, on vit des réussites et on se déploie dans la vie de façon générale quand on a la chance de vraiment déployer nos forces, nos talents, nos passions. Et l'école a la possibilité de faire ça pour les élèves. Alors, à travers, bon, la pensée de ce rêve-là, qui demeurait très hypothétique, se présente une opportunité, un permis, la chance d'ouvrir, et pas juste d'ouvrir là, de bâtir une école secondaire sur le campus qui est à Dorval. Une opportunité incroyable à notre époque, puisque les permis sont extrêmement rares. Et là débute la démarche de création du projet éducatif. Et ce qui est fantastique, c'est que cette démarche-là, on ne l'a pas fait sur le coin de la table avant-hier, là. Ça fait déjà des années qu'on y travaille, donc on a pris le temps, et on le prend encore le temps, de bien faire les choses, parce qu'on ne veut pas juste ouvrir une école. On veut ouvrir une école qui va faire école, et c'est une grande différence. Donc, la démarche, je vous l'explique. Bon, on a épluché la recherche et c'est en partie mon travail à l'innovation pour voir ce qui fonctionne vraiment, étudier les données probantes. On est allé s'inspirer aussi, ici, mais ailleurs, voir ce qui se fait en Scandinavie, en Asie, etc. Ensuite, on a consulté des experts. D'ailleurs, on a fait un grand audit avec les plus grands experts en éducation au départ. Et après, on est allé s'allier de collaborateurs, justement, du milieu de la recherche et du milieu de l'éducation qui nous accompagnent dans le développement du projet. Donc, on est très chanceux. On a mis sur pied de nombreux comités d'enseignants. Il y a à peu près une trentaine d'enseignants de l'école, du Collège Sainte-Anne qui se sont impliqués dans divers comités, dont un, le comité Vision, qui est formé d'un certain nombre d'enseignants qui sont avec nous ce soir. D'ailleurs, je les salue. Merci. Qui travaillent vraiment depuis quelques années de façon très enthousiaste et intense sur le projet. Et finalement, on a fait des focus groups. C'est important d'aller consulter des élèves, des anciens élèves, des élèves actuels. Donc, on a consulté un grand nombre d'élèves qui nous parlent de leur expérience, de ce qu'ils auraient souhaité, de ce qu'ils ont aimé avec le recul et tout. Et on a aussi consulté des parents. Donc, fort de tout ce bagage, on a commencé vraiment à plancher sur le projet éducatif et rapidement, je vous parle des quatre effets, les quatre effets que vous avez aussi découverts sur le site web. On s'est attardé à l'effet compétence. L'effet compétence, c'est quoi? C'est la pédagogie, c'est l'enseignement, c'est l'apprentissage. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui contribue réellement à la réussite et à la motivation de l'élève? C'est ça l'effet compétence. L'effet compétence, c'est vraiment qu'est-ce qu'on doit enseigner? Comment on doit l'enseigner. Maintenant, l'effet ado. L'effet ado, c'est vraiment de considérer l'adolescent dans tout ce qu'il est. C'est quoi ses particularités biologiques? Comment est-ce qu'on peut en tenir compte pour contribuer à son apprentissage? C'est quoi ses particularités cognitives? Comment il apprend? C'est quoi son rythme? Ça aussi, c'est fondamental. Et finalement, toutes les particularités socio-affectives de l'adolescent qui sont extrêmement importante. Comment est-ce qu'on en tient compte dans l'horaire? Comment est-ce qu'on en tient compte dans la proposition? Comment est-ce qu'on en tient compte dans la vie scolaire que l'on va créer? Et finalement, il y a l'effet bâtiment, et je vous en reparlerai plus tard, mais d'entrée de jeu, le bâtiment sera un bâtiment carboneutre, mais il a été construit,
Il a été conçu et pensé pour répondre à la pédagogie active et pour répondre aussi à des questions ou des soucis de bien-être de l'élève, toujours pour améliorer quoi? La réussite et la motivation de l'élève. Je prends quelques minutes seulement pour vous parler de pédagogie et de nos choix pédagogiques parce que c'est important. Et en tant que parent de l'Académie du primaire Sainte-Anne, vous allez vraiment comprendre le langage. Les choix qu'on a faits, le premier, c'est la pédagogie active. La pédagogie active, c'est quoi rapidement? C'est quand l'élève pratique davantage, on le met en action, le mot le dit, et c'est quand ce qu'on lui propose comme activité, comme expérience, a vraiment plus de sens et est lié à la réalité, à un contexte. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'il s'engage. Maintenant, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment de faire vivre une pédagogie, active à fond. En fait, offrir une continuité à la pédagogie qu'on offre dans notre école primaire. Et maintenant, parfois, c'est plus difficile de faire vivre une pédagogie active au secondaire en raison d'une organisation scolaire, les silos, tout ça. Qui est plus rigide. Donc, nous, on s'est donné la flexibilité, les moyens de vraiment faire vivre une pédagogie active à fond. Pourquoi? Parce que la recherche démontre que en pédagogie active, lorsque c'est bien mené, c'est vraiment le type de pédagogie qui contribue le plus à la réussite et à l'engagement des élèves. Maintenant, on choisit aussi de mettre en place un enseignement efficace. C'est quoi? Rapidement, c'est de mettre en place les méthodes, les stratégies qui ont réellement un impact sur la réussite et qui ont été mesurées. Maintenant, les méthodes d'apprentissage, c'est de mettre l'emphase réellement sur ce qui compte vraiment. Et qu'est-ce qui compte? Ce sont les méthodes, les stratégies, et en priorité les stratégies de lecture. Parce que c'est ce dont l'élève a besoin pour être en mesure de poursuivre des études postsecondaires. Et finalement, on souhaite aussi continuer à développer les compétences numériques comme ça se fait déjà au primaire, c'est-à-dire être capable d'utiliser l'informatique, d'utiliser les technologies de façon intelligente, mais aussi d'agir à titre de citoyen à l'ère numérique. Maintenant, plus tôt, je vous ai parlé des effets, mais j'ai omis de vous parler de l'effet prof, et j'y reviens parce que c'est tellement important. La recherche, et je ramène souvent la recherche, mais la recherche démontre, on a des données et ça converge vraiment vers l'effet enseignant. La recherche démontre que ce qui a le plus grand impact sur l'apprentissage, sur la réussite, sur la motivation, c'est l'enseignant. Les choix pédagogiques qu'il va faire, la relation qu'il met en place avec l'élève, la gestion de classe, le climat de classe. Ça, on le sait, puis on le savait d'instinct. Même avant que la recherche nous le confirme. Maintenant, nous, on s'est questionné comment est-ce qu'on peut optimiser l'impact du prof. On ne veut pas juste que cet impact-là se crée parfois ou par hasard. On ne veut pas juste le souhaiter. On veut le provoquer. Donc, on s'est attardé à différentes stratégies qui vont faire en sorte que le lien prof-élève va vraiment être optimisé comme il l'est au primaire quand l'élève a un titulaire et quelques enseignants, les mêmes enseignants sur plusieurs années. Alors, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut reproduire ça dans un modèle, secondaire? Maintenant, je vous amène à l'intérieur du projet, je vous explique les différentes facettes du projet et j'ai choisi de le faire à travers l'horaire de la semaine parce que je souhaite que vous puissiez visualiser, ça va ressembler à quoi une journée type, une semaine type dans la vie de votre enfant? Qu'est-ce qui va se passer dans sa vie? Comment ses journées vont être organisées? Comment on a réussi tout ce que je viens de vous nommer, là, nos belles intentions, là, qui théoriquement sont fantastiques, comment dans la réalité, ça va se concrétiser? Alors, je vous présente l'horaire d'une semaine et je vous précise qu'un cycle va représenter 3 semaines consécutives. Alors, je vous le précise. Alors, vous voyez un horaire type du lundi au vendredi.
Alors, je m'attarde à quelques éléments d'ordre général dans un premier temps. Vous voyez que l'horaire va commencer certaines journées à 9h et certaines journées à 9h30. Pourquoi? Parce que le biorhythme de l'adolescent fait en sorte que lui, il produit de la mélatonine, qui est l'hormone de dormance. Là, on connaît ça, des fois, on peut même en acheter en produits naturels. Bref, l'adolescent produit la mélatonine de 10h le soir à 8h le matin, alors que nous, les adultes, c'est de 8h le soir à 6h le matin. Ce qui fait que lui, très tôt le matin, il n'est pas en mesure de se concentrer parce que son corps produit encore des hormones de dormance. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi de débuter les cours à partir de 9h. Il y a aussi le fait que les recherches ont montré vraiment une cause à effet entre la réussite, les résultats et l'heure du début. Il y a même une différence entre un début de cours à 8h, un début de cours à 8h30, un début de cours à 9h. Et après 9h, ça ne fait plus aucune différence. Alors, le choix du début de cours à 9h s'explique comme ça. Et du coup, les cours se terminent à 16h20. Une autre particularité de notre horaire, c'est que vous voyez les bandes grises ici qui ne sont pas très foncées. Tous les espaces gris, ce sont des espaces de parascolaire. Nos périodes sont d'1h20, ce qui fait qu'on a choisi d'offrir une heure de dîner, une période de dîner d'1h20. Parce qu'on souhaite encore une fois permettre à l'élève, oui, de se détendre, mais encore une fois, on répond à ses besoins socio-affectifs et ça nous permet d'offrir ici encore des opportunités de parascolaire. Donc, du parascolaire le matin avant les cours pour s'énergiser, des activités le midi pour s'amuser avec ses amis, pour bouger, pour faire des trucs qu'on aime, et encore une fois, une possibilité de faire du parascolaire après l'école. Une autre particularité, c'est que les mercredis après-midi sont libres en congé. Donc, l'élève a le choix, oui, de faire des activités parascolaires, d'avancer des travaux, de se rencontrer avec des amis ou encore de prendre une pause et de quitter tout simplement. Alors, ce sont les particularités générales de l'horaire. Et maintenant, ça m'amène à vous parler, vous voyez, les blocs en vert, le mentorat. Le mentorat, c'est une particularité hyper importante de notre projet. On en est d'ailleurs extrêmement fiers. C'est vraiment le premier élément sur lequel on a travaillé. On y tenait tellement, c'était la chose vraiment la plus importante pour nous. Et vous le voyez dans l'horaire, je le souligne, on a du mentorat 3 matins par semaine, donc une récurrence. Et pour le cours de mentorat, strictement le cours de mentorat, on a réduit les groupes à 18 élèves avec un mentor pour vraiment que l'accompagnement soit beaucoup plus efficace. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'effet prof. Le mentorat, c'est entre autres pour aller créer, pour aller provoquer l'effet prof. Quand mon fils était en 5e ou en 6e année, un de ses enseignants, au cours d'une discussion, m'a appris des choses que je ne connaissais pas sur mon fils. Comment il se comportait avec les autres, etc. Puis c'était pas nécessairement tout positif, mais ça m'avait tellement touchée qu'un enseignant connaisse à ce point-là mon enfant, qu'il puisse m'apprendre des choses. Ça m'avait aussi mis extrêmement en confiance de savoir que ce prof-là, ben, il mettait tous les efforts pour faire progresser mon enfant, puis à travers ses défis, ses succès, etc. Puis à ce moment-là, je me suis dit, il faut pouvoir poursuivre cette relation-là que l'enfant, l'élève va au primaire avec son titulaire, avec ses profs. Il faut pouvoir le poursuivre au secondaire. Et au secondaire, la vérité, c'est que c'est plus difficile de créer la relation puisque l'élève arrive dans un contexte où il y a 8 profs, où les périodes déroulent l'une après les autres. Donc, comment est-ce qu'on pouvait retrouver ce contact-là, cette connaissance-là, ce lien-là? Mais le mentorat vient un peu en réponse à ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer là, de façon bien concrète dans les cours de mentorat? Il y a 2 objectifs au mentorat. Le premier, c'est vraiment de développer, d'enseigner les compétences fondamentales. Je précise, c'est quoi les compétences fondamentales? Vous les avez peut-être connues sous le nom de compétences essentielles. Bon,
Nos compétences fondamentales à nous, ce sont la collaboration, la créativité, la communication, la pensée critique, la citoyenneté, etc. Et trop souvent, on prend pour acquis qu'on développe ces compétences-là parce qu'on fait travailler les élèves en équipe ou parce qu'on leur demande d'être créatifs dans une production écrite, et on pense qu'on développe les compétences essentielles de cette façon-là. Nous, on croit qu'on doit outiller les élèves, on doit leur enseigner des stratégies pour qu'ils puissent mettre en pratique et développer ces compétences-là dans des contextes divers. Alors, le mentorat va servir à ça. Les élèves vont vivre des ateliers très pratiques où ils vont acquérir des outils pour développer les compétences. Je vous donne un exemple. Ils pourraient vivre un atelier sur le thème de la collaboration où ils apprennent comment être efficace en équipe ou quels sont les rôles d'une équipe, ou par exemple un atelier créativité où ils apprennent à faire des cartes conceptuelles ou encore apprennent différentes techniques d'idéation. Donc, le but du mentorat, c'est en premier de développer les compétences fondamentales en équipe en étant accompagné du mentor, un guide. Et le deuxième objectif qui est très, très important, c'est l'accompagnement. Donc, le mentor est un guide et le répondant de l'élève. C'est la personne qui va apprendre à le connaître le mieux dans l'école parce qu'il va le voir, il va l'accueillir 3 matins par semaine. Donc, le mentorat, c'est aussi un moment où le mentor et ses élèves vont faire le point, le suivi sur, par exemple, la réalisation des tâches, comment ça va sur les plans académiques, disciplinaires, socio-affectifs, etc. Le mentorat, c'est aussi un lieu de communication continue avec vous, les parents, parce que l'élève, à chaque cycle, tantôt je vous disais qu'un cycle, c'est une séquence de 3 semaines, à chaque cycle, va devoir compléter une auto-évaluation. Bon, quels ont été ses objectifs, ce qui a bien été, ce qui a moins bien été, ce sur quoi il aimerait travailler davantage, etc. Et cette auto-évaluation-là va vous être adressée à vous. Et bien entendu, le mentor va interagir et va rétroagir à cette auto-évaluation. Et vous aussi, vous allez pouvoir le faire. Ce qui fait que vous allez être en communication. Mais pas seulement de façon quantitative, avoir accès aux résultats, aux notes dans le portail. Vous allez être en communication de façon vraiment qualitative, en continu avec le mentor, mais aussi avec votre enfant. Donc, on sort un peu du modèle où vous demandez à votre ado le soir au souper qu'est-ce qu'il a fait dans la journée, et il vous répond qu'il n'a rien fait. Alors là, on est vraiment en communication, en continu. Ce qui nous permet de mettre en place une structure de mentorat, puis c'est un choix aussi, c'est la taille de l'école. Bon, par exemple, en secondaire 1, sur un niveau, il y aura 140 élèves, 4 groupes. La taille de l'école nous permet de vivre ces expériences-là et de mettre en place un programme de mentorat qui va être vraiment personnalisé. Ça nous permet d'humaniser vraiment notre projet. Maintenant, si le mentorat, là, si on n'avait que ça à vous offrir sur le plan de la différenciation du projet, ce serait déjà extraordinaire. Moi, comme parent, on m'offre un programme de mentorat comme ça, je signe tout de suite. Mais la beauté de la chose, c'est que ça ne s'arrête pas là. J'ai d'autres choses à vous présenter. Alors, on continue et là, je vais vous parler du bloc interdisciplinaire. Maintenant, je vais prendre le temps de vous l'expliquer parce que ça peut sembler un peu compliqué, mais qu'est-ce que c'est l'interdisciplinarité, comment ça va se passer? Ça peut vous sembler pas clair. Donc, le bloc interdisciplinaire, c'est vraiment un moment avec une certaine flexibilité dont on s'est doté à l'horaire, où on souhaite faire émerger les liens entre les différentes matières. C'est quoi les matières qui vont se vivre dans les blocs interdisciplinaires, dans ces moments-là? Bien, les matières, ce sont mathématiques, sciences et technologies, français et histoire et géographie. Et pourquoi est-ce qu'on les met ensemble? Bien, comme je vous le disais, c'est important de faire émerger les liens entre des contenus qui sont déjà dans les programmes. Et là, je vous donne des exemples concrets. Bon, par exemple, en géographie, en secondaire 1, les enfants apprennent à lire des graphiques démographiques. En mathématiques,
Ils apprennent à lire des graphiques. Ils font ça de façon séparée, à des moments différents. Ils ne savent même pas qu'ils apprennent la même chose. Nous, on souhaite joindre ces matières-là et les faire travailler ensemble. Par exemple, encore une fois, en géographie, les élèves vont travailler l'enjeu forestier. En sciences, ils travaillent l'écosystème, l'écologie. Ce sont les mêmes contenus. On va les travailler ensemble. En français, on développe la communication orale, la capacité à s'exprimer, à communiquer à l'oral. En sciences, les élèves doivent communiquer des enjeux scientifiques. Donc, pourquoi ne pas travailler ensemble? Et ce que ça va donner, c'est qu'on récupère énormément de temps. On gagne du temps. Et on gagne du temps, pourquoi? Pour aller plus en profondeur dans les apprentissages et pour donner encore plus de sens aux apprentissages puis aux activités qu'on va proposer aux élèves. Parce que là, ça devient hyper concret. Maintenant, on a en ce moment deux enseignantes qui travaillent depuis 2 ans, et je les nomme Marie-Hélène Simard, Geneviève Descaries, qui sont là ce soir, deux enseignantes d'expérience, qui travaillent depuis 2 ans à la planification des blocs interdisciplinaires. Déjà ça, c'est un privilège incroyable là, de travailler en amont. Bref, elles se sont vraiment... Elles se sont plongées dans les contenus pour être capables de faire les liens entre les différents programmes, devenir vraiment des expertes de l'interdisciplinarité. Et elles ont créé des activités pédagogiques qui sont les plus pertinentes et les plus engageantes possibles. Et tout ça, elles l'ont fait aussi en collaboration avec des experts, bon, des spécialistes des stratégies d'enseignement ou de l'enseignement des sciences, par exemple, ou bref, avec différents experts, dont des chercheurs universitaires, mais aussi des praticiens. Maintenant, il y a un autre objectif au bloc interdisciplinaire. Tantôt, je vous parlais de l'effet prof. Encore une fois, on le ramène. Dans le contexte d'enseignement interdisciplinaire, les profs vont devoir co-enseigner, vont devoir, oui, planifier ensemble, mais travailler ensemble. Donc, ils vont devoir se concerter dans les solutions, les approches auprès des élèves et vont vivre du looping. Ce qui veut dire que les profs qui enseignent en secondaire 1 vont suivre les élèves et leur enseigner en secondaire 2 aussi. Ce qui fait qu'on va vraiment créer une relation de proximité et les profs vont très bien connaître les élèves et les élèves très bien connaître les profs. Donc, je vous donne un exemple, une comparaison. Dans n'importe quelle école secondaire, un élève en secondaire 1 et 2 va avoir 16 profs. À l'école secondaire d'Orval, l'élève va en avoir 6 sur 2 ans. Donc, quand on parle de relations privilégiées, c'est ce qu'on veut dire. Un autre aspect aussi intéressant du bloc interdisciplinaire, c'est qu'à la fin des blocs interdisciplinaires, on va allouer aux élèves une période de travail autonome, c'est-à-dire que les élèves vont accomplir des tâches individuelles à leur rythme et à ce moment-là, vont pouvoir avancer plus vite, s'ils avancent plus vite, ou vont aussi pouvoir bénéficier de l'aide des profs qui vont être sur le terrain et aussi de l'orthopédagogue qui va être sur le terrain pour les aider alors qu'ils en ont besoin. On fait ça parce qu'on souhaite décharger les soirées. Ça ne veut pas dire que les élèves n'auront jamais de travail à faire à la maison le soir, mais on vient vraiment décharger et permettre aussi à l'élève d'obtenir de l'aide quand il en a besoin. Alors, encore une fois, si on proposait rien que l'interdisciplinarité comme différenciation au projet, ce serait déjà extraordinaire. Mais là, on a le mentorat et l'interdisciplinarité qui viennent ajouter vraiment là, toute une force au projet. J'ai l'air très enthousiaste quand je vous en parle et je le suis parce que ce ne sont pas des transformations faciles à faire dans une école existante traditionnelle. Donc oui, on est heureux de pouvoir vous faire ces propositions-là. Maintenant, je vous parle du projet. Le projet, c'est un cours d'enrichissement, on se le dit. Et dans ce cours-là, ce qu'on souhaite faire, c'est qu'on souhaite mettre de l'avant et circonscrire l'approche par projet. Pourquoi mettre de l'avant? Pourquoi circonscrire? Parce que l'approche par projet, c'est l'approche qui vraiment contribue le plus au développement de l'autonomie de l'élève. C'est aussi l'approche qui contribue le plus au développement de la capacité à résoudre des problèmes, à faire preuve de créativité. Alors, c'est pour ça qu'on a créé le cours projet. Donc, dans ce cours-là, grâce à
une ou des méthodes de gestion de projet bien encadrées, les élèves vont réaliser des projets concrets, réels, qui, on le souhaite, vont avoir un impact social. Quand je parle d'impact social, là, je parle d'avoir un impact soit sur les plans de l'environnement, sur l'aspect social, sur l'aspect, par exemple, politique, économique, etc. Par exemple, et là, je veux pas trop en dire parce que je veux pas dévoiler des punchs, mais par exemple, le premier projet que les élèves vont devoir réaliser à la nouvelle école, c'est vraiment de co-créer la vie midi. Donc, ils vont vraiment créer quelque chose qui va vraiment se réaliser dans leur communauté, qui est leur école. Maintenant, en deuxième cycle, le cours projet va continuer d'exister, on va l'appeler projet X, mais va se transformer dans sa forme et dans son envergure. Ce qu'on va vouloir au deuxième cycle, c'est que l'élève soit capable de mobiliser ses forces, ses compétences qu'on va lui avoir permis de découvrir, ses motivations. Qu'est-ce qui le motive sur le plan de l'impact social? Lui, il a envie de travailler dans quel sens? Qu'est-ce qui l'interpelle? Et de mettre tout ça à profit dans le cadre d'un projet, encore une fois, qui aura un impact qui va être réel. Pourquoi on fait ce choix-là? Notre souhait, c'est que notre élève, à la fin de son parcours secondaire, soit capable de mener à terme ses projets, soit capable de réaliser ses idées. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend beaucoup plus tard dans la vie. Mais c'est toute une force, c'est tout un bagage d'être capable vraiment de passer à travers différentes étapes de réalisation d'un projet. Est-ce que c'est de l'entrepreneuriat? Peut-être, mais c'est à tout le moins la capacité de réaliser ses rêves. Et ça, ben, c'est important. Et là, je vous dirais bien que si c'était déjà que du projet, déjà ce serait extraordinaire, mais je continue pas sur cette voie-là. Je pense que vous avez compris un peu, le concept. Alors, je continue, j'avance, je vous parle, et là, ce que vous voyez en vert sur l'écran, ce sont nos blocs de spécialité. J'aimerais juste rappeler que les périodes de cours à cette école-là sont d'une durée d'1h20. Et dans le cas des cours de spécialité, c'est hyper pertinent parce que le temps qu'on prend à installer son matériel, à changer, à se préparer, bien déjà, on prend beaucoup de temps. Alors, avec des périodes d'1h20, les élèves disposent de plus de temps pour être en pratique. Alors, commençons par l'anglais. L'anglais qui va être offert va être un parcours enrichi avec différenciation, comme ce qui s'offre, par exemple, aux primaires. Hein, Mr. Nia, Mr. O'Connell, bon, vont enseigner des cours Language Arts, donc des cours enrichis, mais ils adaptent très bien leur enseignement à des élèves qui seraient de niveau intermédiaire ou de niveau débutant. Donc, c'est ce qu'on va faire aussi à l'école secondaire. Maintenant, le cours d'éthique et culture religieuse va avoir, on va vraiment le transformer en un cours d'éducation à la citoyenneté. Et c'est un cours qui va accompagner le projet. Donc, on va vraiment venir outiller les élèves, développer leur citoyenneté numérique, leur citoyenneté verte, tout leur savoir-être aussi. Maintenant, vous voyez qu'il y a une bonne présence d'art dans l'école parce que le développement des arts, c'est important. Maintenant, on veut aussi donner une twist nouvelle à notre cours d'art. On souhaite en faire un cours multidisciplinaire, c'est-à-dire un cours où les élèves vont, découvrir les arts plastiques, mais aussi les arts médiatiques, les arts technologiques. Donc, on souhaite en faire une espèce de cours à la Moment Factory où on explore et on fait interagir les différentes formes d'art pour avoir vraiment un contenu qui est hyper actuel. Et je termine avec l'éducation physique parce que c'est très important pour nous de permettre à nos élèves de bouger à tous les jours et de bouger plus. Ce n'est pas que pour les sportifs d'avoir un mode de vie sain. Donc, sur un cycle de 3 semaines, à l'école, nos élèves vont faire 8 heures d'éducation physique, alors que dans n'importe quelle autre école, ils en feraient ou ils en font environ 4. Donc, on vient doubler le nombre d'heures d'éducation physique à l'horaire, en plus de permettre, grâce aux parascolaires et à la vie scolaire, de bouger à tous les jours. Donc, ça faisait partie de quelque chose de très important pour nous.
Je poursuis avec les ateliers découvertes. Tout d'abord, je le place dans l'horaire. Vous voyez que les ateliers découvertes se déposent un après-midi complet. Donc, imaginez une période de 2h40. C'est un bon bloc, c'est un bloc important. Et pourquoi? Parce qu'on souhaite faire vivre à travers les ateliers découvertes des approches qui sont très pratiques, des approches de type laboratoire. On veut que les élèves se mettent les deux mains dedans. Maintenant, les ateliers découvertes répondent pour nous à des besoins d'exploration plutôt que de spécialisation. Pourquoi? Parce que l'adolescence est une période d'exploration. On apprend à se connaître, on apprend à se découvrir. C'est pas vrai qu'on se connaît tant que ça à 12 ans, c'est pas vrai qu'on connaît tellement ses passions. Oui, on a des préférences, mais on est encore à l'âge où on aime découvrir et où c'est aussi favorable de découvrir. Nous, ce qu'on souhaite aussi, c'est nourrir la curiosité pour différentes choses, nourrir la bibliothèque interne de l'élève. Puis, on souhaite aussi répondre à un besoin de pluralité. Personne, on n'est pas juste une chose, on n'est pas qu'un sportif, qu'un scientifique, qu'un artiste. On est plusieurs choses à la fois et c'est très bien. Pourquoi faire le choix d'une seule chose quand on peut faire plein de choses cool et engageantes? Aussi, quand on a consulté les élèves, notamment les anciens élèves qui nous disaient que même s'ils s'étaient sentis engagés puis avaient beaucoup aimé les programmes particuliers avec recul, auraient souhaité découvrir autre chose, rencontrer d'autres élèves, s'ouvrir à d'autres disciplines ou à d'autres expériences. Alors maintenant, bien concrètement, en première et en deuxième secondaire, les élèves vont vivre quatre thématique d'atelier. Donc, imaginez en secondaire 1, pendant 2 mois, les élèves vont faire les ateliers de programmation robotique. Les 2 mois suivants vont faire sciences et génie, médias, communication et santé et environnement. Et je vous donne des exemples de ce qui va se passer, des thématiques qui vont être abordées pendant ces ateliers découvertes. Et gardez toujours en tête qu'on veut que les élèves aient les deux mains dedans, là. C'est vraiment des ateliers très pratiques. Donc, par exemple, en programmation robotique, ils vont découvrir toute l'anatomie de l'ordinateur, vont s'initier hein, à la création de jeux, à la robotique, éventuellement peut-être à la création web, vont travailler la vision par ordinateur, donc les algorithmes, l'intelligence artificielle, etc. En sciences et génie, ben, ils vont pouvoir faire des activités très appliquées de mécanique, d'aéronautique, tous les objets volants, de l'astronomie par exemple, la menuiserie, la botanique, l'électronique, la météo, etc. En médias et communication, ben, on pourra toucher par exemple au journalisme web, cinéma, télé, documentaire par exemple. On pourra travailler par exemple la radio, la balado, la musique, l'humour, la publicité et finalement santé et environnement qui est quand même une thématique très actuelle et qui répond à des besoins de notre société, ben, ils vont toucher à des thématiques comme l'agriculture urbaine, la nutrition en faisant des ateliers culinaires, à des notions de psychologie en abordant peut-être la motivation, encore la neuro, comment est-ce qu'ils apprennent. Ils vont faire de la géolocalisation, ils vont toucher des contenus de développement durable, faire du plein air urbain, etc. Ce sont des exemples d'activités que les jeunes vont pouvoir réaliser. Puis en secondaire 3, au deuxième cycle, à ce moment-là, l'élève choisit une option parmi les choix qui lui seront proposés à ce moment-là. Donc, synthèse, on fait une exploration en secondaire 1 et 2, on découvre des choses, et en secondaire 3, bien là, on fait un choix et on se spécialise selon nos préférences. Maintenant, je prends quelques minutes pour vous parler du calendrier, parce que ça aussi, on a fait des choix qui sont issus de données de la recherche. Donc, le calendrier scolaire se différencie par le début des cours. Maintenant, l'élément qui a le plus grand impact négatif sur la réussite, sur l'apprentissage, ce sont les longues vacances d'été. C'est l'élément le plus important parce que pendant la période d'été, on perd de 1 à selon les élèves, selon le milieu, de 1 à 2 mois d'apprentissage. Donc, nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est de faire débuter l'année un peu plus tôt, une dizaine de jours plus tôt. Donc, les élèves débuteront le 15 et la semaine du 15, c'est une rentrée progressive
pour débuter réellement le 22, ce qui nous amène à la même date de fin. Mais cette particularité-là nous permet d'offrir plusieurs réelles semaines de relâche de 2 semaines à l'automne, quand l'énergie descend octobre-novembre, pendant le congé des fêtes et à l'hiver, et finalement la semaine de relâche de mars qui est allongée en février, et il y a le congé traditionnel du collège en avril. Donc, on a des semaines qui sont similaires à l'école secondaire de la Chine, et pour nos plus jeunes, on offrira pendant la première semaine des camps ou des expériences qui leur permettront de vivre autre chose. Je poursuis avec la vie midi et la vie parascolaire parce que je sais que c'est très important pour les enfants, je sais que c'est très important pour vous aussi, puis je sais que c'est une réalité de notre école primaire. Il y a vraiment une belle offre d'activités parascolaires et on voulait poursuivre ça. Et tantôt, je vous ai parlé là, des nombreux créneaux le matin, le midi et le soir, des nombreux créneaux horaires pour vraiment permettre à l'élève de faire ce qu'il aime le plus souvent possible à l'école. On parlait de bouger tantôt, mais ça peut être aussi de faire des arts, de faire des sciences, etc. De développer son sentiment d'appartenance aussi, en participant à des équipes, par exemple, ou en réalisant des projets qui le font se sentir bon. Bien sûr, pour offrir un choix, et ce ne sont que des exemples, mais pour offrir un choix intéressant d'activité avec une école de taille humaine, bien entendu, on va collaborer avec le CACSA, qui est le centre d'activité sportive du secondaire à la Chine, notamment pour les équipes sportives. Ce qu'on veut, c'est offrir plus de choix. Donc, on va vraiment travailler ensemble et collaborer sur l'offre de services. Maintenant, les nombreux créneaux qu'on offre nous permettent aussi d'offrir beaucoup d'activités, ce qui fait que, par exemple, un élève qui veut jouer au soccer, par exemple, ou qui veut faire partie de l'équipe de basketball, va pouvoir pratiquer son sport plusieurs heures par semaine et vraiment intégrer une équipe. Et c'est vrai aussi pour toutes les autres activités. Maintenant, l'école comme telle va aussi être ouverte de 8h à 6h tous les jours et nos locaux spécialisés vont être ouverts pour les élèves, pour venir aussi réaliser des projets ou profiter des installations librement. Maintenant, je vous parle du campus qui, vous avez vu les photos, vous avez vu le site qui va être merveilleux, qui va être un réel atout. Donc, il y a le campus, toutes les installations qu'on va voir, tous les locaux spécialisés, tant au primaire qu'au secondaire, les installations extérieures, là, la fermette, le jardin communautaire, c'était bien avant, mais là, ça va être à un autre niveau, là, ça va être extraordinaire. Le synthétique qui demeure et toutes les installations qui vont vraiment contribuer à créer un milieu qui est hyper effervescent. Maintenant, on a aussi le bâtiment. Le bâtiment, je le dis carboneutre, mais l'aspect carboneutre, c'est tellement important pour nous qu'on veut aussi l'intégrer à la pédagogie et à notre mode de vie, à nos habitudes de vie dans cette école-là. On a aussi souhaité créer un environnement qui est adapté, qui répond aux besoins de la pédagogie active. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est allé voir, on est allé s'inspirer ailleurs et pour le bâtiment aussi, on est allé s'inspirer, par exemple, de modèles scandinaves, bref, de différents modèles à travers le monde pour voir ce qui convenait le mieux à une pédagogie active. Et on a souhaité aussi offrir un bâtiment et un environnement qui va contribuer à l'apprentissage et au bien-être. Donc, on parle de l'éclairage, de la qualité de l'air, de la température, etc., etc. Tout ça a été réfléchi et je fais le tour de quelques photos avec vous pour vous démontrer tout ça. Alors ici, ce qu'on voit, c'est vraiment un espace collaboratif. Alors, on est dans un espace ouvert où les élèves travaillent en équipe. Ça leur permet de changer de lieu et de ne pas toujours être pris dans une classe entre 4 murs pour une journée entière. Maintenant, on voit une fenestration qui est abondante pour laisser entrer la lumière. Mais on voit différentes dispositions, une flexibilité dans les dispositions aussi sur le plan ergonomique. Maintenant, ici, ce qu'on voit, c'est l'atrium et la cafétéria. L'atrium, c'est le cœur de l'école, un endroit central où tout le monde se retrouve, par où tout le monde passe. Mais
On vous démontre aussi la polyvalence, l'aspect multifonctionnel des lieux. L'atrium devient aussi un espace de conférence, de présentation, un espace de socialisation. Puis on avait la réflexion au début du projet de se dire, hey, on a des belles grandes cafétérias dans les écoles qui ne sont utilisées qu'une heure par jour. Quelle perte d'espace alors qu'une cafétéria peut très bien devenir un grand espace d'apprentissage pour réunir plusieurs groupes ou pour faire vivre différentes choses. Donc, on souhaitait vraiment que tous les espaces soient multifonctionnels. Vous voyez encore la fenestration, la luminosité. Ici, on a une classe qui va répondre à des besoins d'apprentissage qui sont plus guidés. Quand le prof est avec ses élèves, qui veut expliquer des choses, qui veut guider une activité, qui veut travailler dans un contexte vraiment très accompagné, bien, on retrouve des classes qui, encore une fois, les classes s'ouvrent sur l'extérieur. Maintenant, on a des espaces de transition, de circulation, qui vont aussi permettre aux élèves soit de travailler individuellement, donc de se retrouver dans une grotte, dans une bulle, ou des petits espaces de collaboration. Bref, tous les espaces peuvent avoir différentes fonctions. On voit aussi les coursives. On souhaitait que la transition intérieur-extérieur soit à peine visible. Une école qui s'ouvre vers l'extérieur, un extérieur qui s'ouvre vers l'intérieur. Et les coursives sont suffisamment larges pour que, ben, peut-être pas en janvier, mais pour quand le climat le permet, que les élèves puissent aller travailler à l'extérieur et bénéficier de l'environnement aussi. Ici, on voit un des labs créatifs. Il y aura plusieurs labos, labos d'art, labos de sciences, high-tech, low-tech, etc. Ici, on voit un lab créatif qui va justement permettre aux élèves de faire des apprentissages pratiques. Donc, ici, on est dans tous nos labos, on a une offre qui est vraiment à la fine pointe, tant sur le plan technologique que pédagogique. On a un deuxième atrium ici, un autre espace, et je voulais souligner ici, vous voyez des vélos qui sont des vélos énergétiques qui vont permettre aux élèves de générer de l'énergie, de recharger, par exemple, leur appareil, leur portable, etc., etc. On enchaîne sur notre cafétéria. Ici, je mets l'emphase sur la serre qui est directement sur la cafétéria parce que ce sera une serre alimentaire qui sera à la charge des élèves entièrement. Vous voyez même des belles tomates. Donc, encore une fois, pour faire vivre des apprentissages concrets. On a des espaces de détente ouverts, bref, une variété d'espaces qui offrent de multiples possibilités et qui vont vraiment permettre de réaliser cette pédagogie-là qui est mouvante, qui est active, qui est engageante. Ici, on voit le lab high-tech où on va pouvoir faire vivre, par exemple, la réalité virtuelle, la création multimédia, la création musicale, une équipe de e-sport, par exemple, un superbe gymnase pour bouger, une belle salle de musculation. Il y a aussi une salle multisport qu'on ne voit pas sur les photos. Bref, un bâtiment hors du commun, unique. Ça fait pompeux de dire que ça va être la plus belle école au monde, mais ça va être franchement une école qui est merveilleuse et qui sera certainement parmi les plus belles écoles au monde. Puis, honnêtement, notre système d'éducation en a bien besoin. On le mérite. On était rendu là. Maintenant, rapidement, je vous parle du transport. Sur le plan du transport scolaire, on va pouvoir offrir un transport scolaire le matin seulement. Donc, les élèves vont arriver à 8 heures en même temps que les élèves du primaire. Après les cours, malheureusement, ce ne sera pas possible d'offrir le transport puisque l'école primaire se termine à 3 heures et que nous, l'école se termine à 4h20. En revanche, l'heure de fin de cours est très bien coordonnée là, avec la fin des heures du travail là, pour venir récupérer les élèves à l'école, puis ça leur permet en même temps de participer à des activités parascolaires. Bien entendu, le mercredi, comme l'école finit plus tôt, on pourra offrir le transport scolaire en fin de journée. Il y a une exception pour l'île des Sœurs. Maintenant, l'île des Sœurs pourrait être desservie le matin et en fin de journée.
Le transport de la STM dessert aussi l'école. Il y a un autobus qui arrête directement devant. Il y a aussi le rond-point d'Orval qui n'est pas très loin. Et bien entendu, le REM qui devrait voir le jour en 2025, qui va être accessible de l'aéroport, qui est à 5 minutes de l'école. Et à ce moment-là, ce qu'on offrira, c'est des navettes vraiment du REM à l'école. Et là, ben, on aura vraiment un accès élargi. Vraiment, on va pouvoir élargir, le territoire. L'uniforme scolaire, les parents, je vous rassure, il y aura un uniforme scolaire. Les enfants, je vous rassure, l'uniforme scolaire, il va être cool, il va être beau, il va être confortable. Il y aura un uniforme scolaire qui va contribuer au sentiment d'appartenance. Mais je vous garde la surprise pour les portes ouvertes. Donc, vous verrez l'uniforme que l'on veut confortable. On veut aussi offrir des choix aux élèves. Puis, on veut qu'il soit beau, bien entendu. On va vous le dévoiler aux portes ouvertes en septembre prochain. Et maintenant, la question importante, j'ose pas dire la question qui tue parce qu'elle ne tue absolument personne, bien au contraire. Est-ce que cette école-là, et je sais que les parents vous brûlez de me le demander, est-ce que cette école-là, c'est pour mon enfant? À la base, nous, on a souhaité offrir une école qui est pour tous les enfants ou presque tous les enfants. Cette école-là pourrait, en fait, va répondre très bien aux besoins d'un élève, par exemple, qui est très performant, qui a besoin de défis, qui n'a pas envie de perdre son temps, qui a besoin de plus. Oui, cette école-là va répondre à cet élève-là. Tout élève curieux, qui peut parfois avoir besoin de soutien, oui, cette école-là va répondre à cet élève-là. Des élèves qui s'épanouissent dans un contexte de pédagogie active. Et là, vous, les parents, vous avez inscrit vos enfants à l'école primaire, vous avez fait le choix d'une pédagogie active. Peut-être que vous avez vu vos enfants vous épanouir dans ce contexte-là. C'est ça qu'on souhaite offrir. Donc, les élèves qui s'épanouissent dans ce type de pédagogie-là, des élèves brillants, qui se demandent, pourquoi j'apprends ça? Donc, pour qui le sens est très important, des élèves qui ont de multiples intérêts, qui aiment faire plusieurs choses, mais c'est surtout, ce qu'on souhaite surtout offrir, c'est une continuité avec notre primaire. Donc, pouvoir poursuivre ce beau projet-là dans la même vision, dans le même esprit, de développement de l'enfant. Aussi, la taille de l'école doit faire partie des choix. L'école de Dorval, est de taille humaine pour faire vivre un projet humain, pour développer des relations humaines aussi. Puis au-delà de l'enfant, on souhaite aussi s'adresser à des parents qui comprennent le projet, qui y adhèrent et qui font ce choix-là. Maintenant, vos enfants fréquentent notre école primaire. Vous êtes des membres de notre famille. Et en tant que membres de notre famille, on souhaite vous garder avec nous. On veut vous voir poursuivre ce beau trajet-là, ce parcours-là avec nous. On souhaite vraiment que la famille se poursuive sur le campus d'Orval. Voilà, en espérant avoir bien répondu à la question. Je vous parle brièvement de l'implication des parents. Où va se situer l'implication des parents? C'est certain que l'implication des parents va être souhaitée. Pas obligatoire, mais souhaitée. Mais on va faire ça de façon un peu différente, donc plutôt que d'aller dans le sens d'une association de parents, on va créer une structure avec des comités aviseurs, par exemple un comité aviseur à la pédagogie, un comité aviseur au développement durable, par exemple, où on va demander aux parents de participer, sur lesquels vont siéger des parents, mais aussi des membres du personnel, aussi des élèves, pour vraiment que tout le monde participe conjointement à ce projet-là et à l'évolution du projet, parce que le projet va évoluer, là, on va le construire ensemble.
Maintenant, on va aussi, vous voyez qu'on a une offre qui est très particulière. Je parle seulement des ateliers découvertes. Nos profs sont hyper compétents. Par contre, ils ne peuvent pas tout connaître. On va aussi solliciter votre expertise. Vous avez des expertises extraordinaires, très variées, dans des milieux aussi souvent émergents. On va certainement faire appel à vous pour contribuer sur le plan de votre expertise, par exemple en donnant des ateliers, en nous faisant profiter d'un partenariat, d'une expérience, etc. On va aussi vous inviter à participer à des événements, des trucs comme ça. Maintenant, à l'adolescence, hein, les adolescents, ben, c'est certain qu'ils n'ont pas tellement envie de voir leurs parents à l'école à tous les jours. Mais on souhaite être former une communauté où il y a des moments pour se retrouver tout le monde ensemble. Maintenant, je termine en vous parlant de l'admission. Comment ça va se passer, le processus d'admission? Dans un premier temps, vous allez devoir inscrire votre enfant en ligne sur notre site web. Vous allez faire une demande. Il y a une porte d'entrée pour nos deux écoles, Dorval et Lachine. Et bon, l'inscription va se faire, bon, ici, on annonce à partir du 1er septembre, mais ça se peut qu'on devance un petit peu là, en nous. Donc, soyez à l'affût, visitez le site web. Première étape, c'est de s'inscrire. Et c'est de manifester votre préférence en termes d'école, donc votre choix 1, votre choix 2, la Chine ou Dorval. Et vous allez devoir aussi, même si votre enfant fréquente l'école primaire, fournir le dossier complet. Suite à ça, on passe l'étape des convocations aux séances d'observation parce que vos enfants, étant à l'école primaire, n'ont pas à passer à travers les séances d'observation. Votre enfant va recevoir un verdict officiel et va pouvoir confirmer, en fait, vous allez confirmer l'inscription de votre enfant pour vraiment officialiser son inscription au collège secondaire d'Orval. Aussi simple que ça, il n'y a rien de compliqué là-dedans et ça va se passer de façon extrêmement fluide. Mais ne vous en faites pas parce que en temps et lieu, on va vous informer, on va vous accompagner. Tout va être bien indiqué. Vous allez avoir toutes les bonnes informations. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un parcours, une porte d'entrée pour les deux écoles. Maintenant, peut-être que vous souhaitez en apprendre davantage, vous souhaitez nous parler de façon peut-être un petit peu plus individualisée. On va vous permettre de prendre des rendez-vous VIP sur notre site. Ça va être des rencontres en petits groupes. Donc, on va rencontrer trois familles à la fois. Il y a différents créneaux horaires et il y a aussi des créneaux pour des rencontres en anglais. Exclusivement en anglais, sinon les rencontres se passent en français. Et vous allez pouvoir à ce moment-là poser des questions plus pointues, vous allez pouvoir avoir des informations plus détaillées, vous allez donc avoir plus de détails si vous sentez que vous en avez besoin. Maintenant, en terminant, j'aimerais adresser des craintes ou qui sont venues à mes oreilles que des parents pourraient avoir sur le projet de l'école secondaire d'Orval, notamment avec le fait que c'est un nouveau projet, avec le fait que la cohorte de 2022 va être la première cohorte, etc., avec le fait que c'est une école qui fait les choses différemment. Je vous rassure, cette école-là elle a été réfléchie pendant de nombreuses années. Oui, il faut le dire, année. Avec des gens qui ont de nombreuses années d'expérience, avec beaucoup d'appui. Il y a une certitude qui vient avec ce projet-là et cette certitude-là, je vous la répète, c'est d'élever les standards en éducation. Ce projet-là a aussi le sceau Sainte-Anne. C'est pas la première école qu'on crée, c'est pas la première école qu'on ouvre. On se démarque dans le milieu de l'éducation, oui, par nos innovations, mais aussi par la qualité des services qu'on offre. Et
Et on va faire, et il va aller, il va en aller de même dans cette école-là. Donc, on va maintenant passer à la période de questions. J'ai été emballée. Là, vous voyez, je suis certainement un peu rouge même, d'avoir été tellement excitée de parler de cette école-là, vraiment été emballée de vous parler de cette école-là. J'espère que vous l'êtes aussi. Autant que nous, on l'est, j'espère avoir allumé une petite flamme. On va vous faire, on va vous faire jouer la vidéo d'une journée type que vous allez pouvoir regarder. Pendant ce temps-là, vous pouvez inscrire des questions dans le clavardage, dans le chat. Et nous, on va recevoir les questions et quand on va revenir de la vidéo, je vais pouvoir répondre à vos questions. Maintenant, pour ceux qui nous quittent maintenant, je vous salue et je vous dis à la prochaine et je vous remercie encore du temps que vous nous avez accordé ce soir. Merci. Vous vous demandez à quoi ressemble une journée dans la vie d'un élève au secondaire à Dorval? Ben, je vous la raconte. L'arrivée à l'école, ça se passe différemment pour tout le monde. Certains élèves commencent leur journée à 8 heures en pratiquant une activité parascolaire, comme par exemple en allant au gym, ou sinon, d'autres pourraient décider d'aller faire du yoga. Donc vraiment, ça commence bien la journée. Mais moi, ce que j'aime, c'est aller chiller à l'atrium avec mes amis. L'atrium, c'est le cœur de l'école. C'est comme le point de rencontre, peu importe le moment de la journée. Ensuite, à 9h, c'est le début des cours. Notre journée commence en mentorat, puis c'est vraiment un cours qui est cool parce que j'ai l'impression d'avoir une vraie relation avec mon mentor. Fait que mettons que ça commence bien ma journée. En avant-midi, on fait du français, on fait des maths, on fait des sciences, de l'univers social. Puis ça paraît que les profs préparent leurs cours ensemble parce que tout ce qu'on apprend, c'est vraiment concret. Fait que c'est comme dans la vraie vie, puis c'est motivant parce que après ça, je comprends pourquoi c'est utile. Donc c'est le fun, pas mal toute la journée, là, pas juste pendant les parascolaires. On a d'ailleurs des cours pas juste dans les classes, il y en a aussi qui se passent dans les super espaces de collaboration. Puis ça fait du bien, cet aspect-là, de pouvoir changer de décor. On peut même aller s'installer dehors sur les balcons pour travailler. On a aussi des labs écœurants pour les sciences, la techno et la robotique. Ensuite, juste avant le dîner, on a tous une période de travail individuelle. Moi, par exemple, je vais toujours dans une banquette parce que comme ça, j'ai comme la paix puis j'ai l'impression d'être dans ma grotte où je peux me concentrer. Puis d'ailleurs, s'il y a un truc que tu comprends pas dans une matière, il y a toujours des profs pour t'aider qui sont live là à ta disposition. Maintenant, on arrive à l'heure du dîner. C'est vraiment mon moment préféré de la journée parce qu'on a 1h20 pour manger tranquillement, faire ce qu'on a envie de faire. Par exemple, moi, le lundi, je m'occupe du mur végétal de la serre. D'ailleurs, tout le monde capote sur nos tomates. Mais tu peux aussi juste décider de relaxer. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on a le temps d'aller dehors puis d'aller faire un tour à la fermette. Donc vraiment, c'est impossible de s'ennuyer. Ensuite, les cours reprennent en après-midi, donc on fait des arts, on fait de l'anglais, on fait de l'éduc et mon cours préféré, l'atelier découverte. Donc disons que l'après-midi ne manque pas d'action, surtout qu'on a 2 fois plus d'éducation physique que dans les autres écoles. Finalement, à 16h20, donc après mes cours, moi ma journée n'est pas finie parce que je suis sur l'équipe de compétition de soccer, donc avant ça, j'adore ça aller me réchauffer à la salle de muscu, mais il y a aussi plein d'autres sports puis activités parascolaires à faire, comme des cours de DJ, des cours d'espagnol, de musique, de e-sport, du parcours, il y a aussi de l'art urbain, des arts de la scène, de l'impro, bref, il y en a vraiment pour tous les. Honnêtement, je pensais pas que c'était possible d'aimer autant ça aller à l'école. Alors, on est de retour. Je vais prendre le temps de répondre à quelques questions. Bon, on me demande ici, question super intéressante. Avec un concept aussi innovateur, comment comptez-vous recruter et former les enseignants? Aussi, existe-t-il des matériels ou livres d'enseignement qui intègrent les matières principales de la manière qui a été décrite? Sinon, qu'utiliserez-vous? Bon, premièrement, il y a actuellement des enseignants qui travaillent sur le projet. Il y a déjà des enseignants qui sont impliqués à la création, à la planification du projet. Mais oui, ça prend des enseignants qui ont envie d'enseigner dans cette école-là. Et oui, il y a une formation qui accompagne ça et cette formation, elle est prévue.
Mais quand on va embaucher, être à la recherche d'enseignants, on va rechercher un profil d'enseignant bien particulier. Il y en a et il y a plein d'enseignants qui recherchent un projet de cette nature-là. Maintenant, au niveau du matériel utilisé, le matériel disciplinaire mathématique va encore exister. Il y aura encore des enseignements strictement disciplinaires. Donc, on va utiliser ce matériel-là et ce sont les enseignants qui vont créer des situations, comme ils le font déjà là, dans leurs cours, qui vont créer des situations interdisciplinaires. Maintenant, on me demande, je n'ai pas vu sur votre horaire des cours de français en particulier. Oui, les cours de français vont être donnés dans l'espace attribué au bloc interdisciplinaire. Maintenant, on me demande si les élèves, au niveau des activités parascolaires, étant à la Chine, par exemple, pourraient participer aux activités de Dorval. Oui, les deux écoles vont collaborer sur les espaces horaires qui sont partagés par les deux écoles. Donc, bien entendu, à Dorval, on va offrir des activités auxquelles les élèves à la Chine ne pourront pas participer parce que ça ne convient pas à l'horaire. Par contre, l'inverse est toujours possible. Maintenant, on me dit, au primaire, il y a des belles installations. Il y avait au départ des belles installations qui ne sont plus en place. Est-ce que vous allez garder vos espaces existants? Bien oui, parce que le bâtiment est conçu comme ça et que le projet est construit aussi en fonction du bâtiment. Donc, les deux choses sont vraiment interdépendantes. Question très importante. On a l'impression que l'élève doit être, en partant, bien structuré afin de suivre l'enseignement. Est-ce que l'école peut convenir à tous les enfants? Et la réponse à ça, c'est oui, parce que la structure de mentorat vient offrir un encadrement beaucoup plus personnalisé à l'élève et l'aider avec son organisation, avec ses méthodes de travail, ce qu'on ne peut pas offrir dans une école traditionnelle. Et là, on me demande, est-ce que Hockey Dragon est offert dans cette école? On en discute. On va devoir vous revenir à ce sujet. Quelles sont exactement les conditions d'admission au secondaire pour les enfants déjà inscrits en primaire? Donc, est-ce qu'il y aura un pont automatique? Je vous dirais que le pont automatique, c'est-à-dire que oui, il y a un passage facilité pour les élèves du primaire. Par contre, si un élève devait avoir des grandes difficultés qui font en sorte que, par exemple, qu'il a besoin d'un accompagnement quotidien, de mesures particulières qu'on ne peut pas lui offrir, à ce moment-là, ben, on se parle, on communique et on voit ce qui est possible de faire. Mais les conditions sont les mêmes là, d'une école à l'autre. Quelle est la procédure d'inscription si on est intéressé par deux programmes différents offerts, un à la Chine, l'autre à Dorval? Donc, si on est intéressé par les deux écoles, vous allez pouvoir procéder à l'admission de deux écoles. Je suis très contente qu'on me pose cette question-là. J'imagine que les enfants auront tous les prérequis pour le cégep. Bien entendu, on enseigne les programmes. Les élèves auront tous les prérequis, vont avoir exactement la même formation sur le plan des contenus, sinon qu'on va approfondir encore davantage au niveau des méthodes, au niveau des stratégies, au niveau de ce dont ils ont besoin réellement à arriver à un niveau collégial. Je parlais des stratégies de lecture, c'est exactement ce dont je parlais. J'ai l'impression que cette école fait moins de place aux langues étrangères. Que l'école à la Chine, c'est pas du tout le cas, sinon que à Sainte-Anne, au programme Sainte-Anne à la Chine, on offre l'espagnol. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on l'offre en parcours parascolaire. Donc, l'élève pourra suivre des cours d'espagnol, de mandarin, par exemple, dans un parcours parascolaire. Est-ce que les frais de scolarité sont les mêmes qu'au collège? Oui, absolument. C'est une école subventionnée, d'ailleurs. Donc, exactement les mêmes frais qu'au collège. Quel rôle joueront les notes dans l'admission à l'une et l'autre école? Bien entendu, c'est notre premier moyen d'analyse, les résultats scolaires. Donc oui, il y a une analyse des résultats. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, si on voit qu'on ne pourra pas répondre aux besoins d'un élève, ben à ce moment-là, on communique avec vous.
Est-ce que des enseignants ou autres pédagogues de l'école primaire peuvent nous guider dans le choix? Absolument. D'ailleurs, je vais faire le même type de rencontre avec eux. J'ai fait le même type de rencontre avec eux, donc ils pourront vous questionner. Ils sont d'ailleurs très enthousiastes face au projet. Qui seront les profs, nouveaux profs, profs du collège, etc. Donc, il y aura bien entendu des profs du collège qui vont traverser à l'école secondaire de Dorval, mais il y aura aussi des embauches à l'externe. Mais oui, on aura une portion de notre staff enseignant qui va venir du collège de la Chine. Il y a une sélection plus difficile pour les élèves qui ne viennent pas de Saint-Anne. Plus difficile, bien, il y a 140 places. Donc, nécessairement, ça laisse beaucoup moins de place pour les élèves de l'externe. Alors, oui, il va y avoir une sélection plus difficile pour les élèves de l'externe. Je crains que la journée sera un peu longue. La journée va être de la même durée, c'est juste que les heures sont décalées, qu'ils arriveront peut-être un peu tard le soir à la maison, surtout en hiver quand il fait plus sombre. La question est légitime. Maintenant, à l'adolescence, comme je vous disais, les heures de sommeil sont décalées. Donc, c'est vrai, mais en hiver, il fait sombre de toute façon très tôt. Maintenant, c'est un choix à faire aussi. Les inscriptions sont le moment pour les élèves de 5e et 6e. Non, pour les élèves de 6e année, malheureusement, les élèves de 6e année ne pourront pas aller à cette école puisqu'elle ouvrira en 2022. Donc, en septembre, les admissions, ou en août, les admissions seront pour les élèves qui sont actuellement en 5e année. Pour des étudiants sportifs, est-ce qu'ils pourront bénéficier d'une équipe? Absolument. Cette école-là fait beaucoup de place aux sportifs, notamment dans la grille horaire, mais aussi aux parascolaires. Donc, on souhaite poursuivre la tradition des équipes sportives du primaire et aussi du secondaire à la Chine. Donc, oui. Maintenant, quand vous pensez à des programmes, on n'offre pas de programme là-bas, mais un élève qui veut faire, par exemple, du soccer plusieurs heures par semaine pourra en faire aussi dans une équipe de compétition. Quelles sont les différences principales avec le collège? Vous allez retrouver un tableau des différences sur le site. Dans un premier temps, il y a toute l'approche d'accompagnement par mentorat et le développement des compétences fondamentales qui est de l'enrichissement à la maquette. Il y a aussi l'approche par programme, par spécialisation, où nous, on propose une approche par atelier. Il y a toute l'approche interdisciplinaire de pédagogie active qui vient différencier l'école secondaire de Dorval. La taille de l'école, l'horaire, le début de cours, la fin de cours, l'offre parascolaire élargie aussi, qui est différente. L'élève peut-il, en cours de route, opter pour une éducation plus classique et continuer son parcours au Collège Sainte-Anne de la Chine? Les transferts vont être difficiles, c'est toujours une question de place disponible, mais le transfert comme ça automatique d'une école à l'autre ne se fera pas si facilement en raison du nombre de places. Ça va être comme pour des admissions à une autre école, tout simplement. On a fait le tour. Alors, on va se quitter là-dessus. Merci, bonne soirée.